Yahoo Bidibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue. J'ai tout simplement gagné un concours d'une maison d'édition pendant la période Noël. Et donc là, le jour où je fais, on est le 15, je viens le recevoir aujourd'hui. J'ai juste préouvert pour que ça aille un peu plus vite. Et on va découvrir ensemble du coup le manga que j'ai gagné. Alors, moi je le sais, mais on va découvrir tout ça ensemble parce que ce manga là, je ne l'ai jamais vu en boutique et je ne l'ai jamais surtout touché ou approché, soyons honnêtes. Donc voilà, c'est un manga que j'ai gagné donc de la part des éditions Vega Dupuis. Et voilà la taille du colis. Le facteur a croisé mon papa avant d'arriver au niveau de la maison. Il a dit par contre j'ai un colis pour Hibiki, il est un petit peu trop grand. Je comprends mieux. Bon, après, je pensais que c'était peut-être mon colis des éditions Meiyan et Anna, mais ça paraissait un petit peu short au niveau du délai. Donc, nous avons deux mangas. Il y a un badge aussi. Ok, il y a un petit badge. C'est mignon. Donc, c'est le manga Arena, si je ne dis pas de bêtises, qui est donc par tout simplement le youtubeur, le chef otaku. Il y a notre petit goodies. C'est ça. Donc on a un clear file. Donc un porte-document. Voilà, qui s'ouvre comme ça. Et donc, c'est pas la même histoire. Illustration, pardon. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Il est très très joli. On continue donc avec les deux mangas qui sont assez grands. Mais il me semblait bien que ça allait être du coup au niveau taille comme les hentai ou les mangas des éditions Nazca et tout ça. Donc il faut savoir que chez les éditions Vega, je crois que c'est le deuxième ou troisième manga seulement que je possède de chez eux, dont un que je n'ai toujours pas lu. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ah oui, d'accord, donc c'est un petit sticker, ce qu'on peut potentiellement enlever. Oui, je pense qu'on peut l'enlever, ok. Ça peut être bien pour ceux qui n'ont pas envie forcément d'avoir le gros logo, la première série du chef otaku. Voilà à quoi ça ressemble. Donc juste à savoir que je voulais voir le nombre de séries et de chapitres. Je ne sais pas si on aura le sommaire. Si on a le sommaire, donc les 11 premiers chapitres sont égaux au premier tome. Et on a donc pour commencer la présentation des personnages, qui est plutôt pas mal. Pour ce qui est de la qualité de dessin, je vais te le montrer en face table. Et juste à savoir en fait que j'ai déjà commencé à lire la série quand j'ai compris que je l'avais gagnée par les éditions Vega Dupuis. Tout simplement parce qu'il est aussi disponible en format numérique sur l'application Ono. Ono est une application de webtoon et donc avec qui je travaille déjà depuis le mois de novembre officiellement. Et donc du coup bah, quand j'ai vu que j'avais gagné, je savais qu'il était disponible du coup sur Ono. Donc j'ai déjà commencé un petit peu à le lire pour savoir ce que je devais réellement en penser, etc. Donc je ne t'en dis pas plus en ce qui concerne ce manga, juste je vais quand même te lire le résumé, mais sache que il y a une petite surprise qui t'attend, mais n'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos car tu auras plus de détails. Voilà. Gabriel semble être un jeune timide et réservé, c'est en réalité un psychopathe qui s'efforce de refouler ses pulsions violentes pour s'intégrer à la société. Tout bascule le jour où ses camarades de classe et lui sont pris dans une étrange tempête qui les transporte au milieu d'une arène sanguinaire où ils devront combattre pour survivre. Gabriel osera-t-il révéler sa vraie nature à ses camarades? Je tiens juste à souligner par rapport à l'esthétique du manga, c'est que les petits détails comme le 1, alors pas les bordures ici, là, on voit, tu vois, des petites bordures en or. Les bordures, non. Mais le 1, en fait, quand tu le touches, tu sens qu'il y a une différence de texture, etc. Pareil pour les mots en blanc. La maison d'édition Vega Dupuis, oui. Pour le titre, non. Et à l'arrière aussi, on a les espèces de petites dorures. Et bien, c'est pareil. On les sent, en fait, si on touche. On sent une différence de texture. Donc, pas l'écriture or, là non plus. Là, non. Et j'ai un petit doute. Non, non. Sur le Liban et le prix, il n'y a absolument pas cet effet. Mais déjà, rien que côté esthétique, je trouve quand même qu'il y a eu un sacré travail. Pareil, là sur le côté, si on touche, le shonen est en relief. Le chef otaku, l'auteur, il y a une matière différente encore pour l'illustration.
Le 1 est encore dans la fameuse, comme partout, Arena, non, et Vega Dupuis, oui. Voilà, donc je trouve ça super sympa. Alors c'est sûr, le manga a un certain prix, il est au prix de 15 euros, mais en vrai, je trouve ça super sympa et on a vraiment une petite briquette parce que, au niveau du nombre de chapitres, je voudrais juste que tu aies conscience. Le chapitre 11 finit page 176 et le cahier bonus commence page 195. Pour ce qui est du deuxième tome, il me paraît un peu plus grand, c'est ça. Il fait du chapitre 12 au 24 et le chapitre 24 se termine page 218. Voilà. Donc on a quand même des petites briquettes. En plus, au niveau taille, c'est la taille du coup. Voilà, c'est pas la petite taille de manga. Ils sont en couleur, j'ai oublié de préciser, mais je pense qu'on l'aura vu du coup pour les pages quand je les ai montrées. Mais on est sur des pages en couleur, donc vraiment quelque chose de très impressionnant. Et c'est déjà un bel objet en fait. Donc voilà, en ce qui concerne les grands lits. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à me dire quel est le manga des éditions Vega Dupuis du coup qui pourrait t'intéresser, que tu voudrais potentiellement aussi que je te présente. N'hésite pas à me dire du coup celui que tu préfères, celui que tu veux que je te présente et peut-être même celui que tu aimes le moins. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de s'abonner, c'est rapide et gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, à bientôt!